Bienvenue une fois de plus dans l'enfer des backrooms. Mais si jamais tu veux des jeux pas très chers, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui apparaîtra dans la description ou alors en commentaire pour participer à mon concours Instant Gaming et tenter éventuellement de gagner le jeu de ton choix. Nous nous retrouvons dans une petite bâtisse somme toute assez traditionnelle. Hein. Comme vous pouvez le voir, les murs sont d'un bleu teinté, tandis que nous regardons à l'extérieur, voyant qu'il fait une très belle journée. Une journée ensoleillée, une journée dans laquelle il fait bon se promener. Et je n'ai pas la clé de ma porte. Ouais. Donc du coup, on peut voir aussi que ma maison est assez vétuste. Hein. Je n'ai pas eu un énorme budget meuble. Un budget plutôt limité, hein, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, je fais un petit peu comme... Oh ! Appuyez sur Alt pour voir les contrôles. Interact, Walk, Run. Je dois trouver 4 clés. D'un coup, d'un seul, en voulant ouvrir la porte vers ma chambre, je me retrouve dans les backrooms, encore une fois. Ici, c'est écrit « Welcome ». Ils sont plutôt intéressants. C'est plutôt accueillant comme système. Donc, je dois trouver 4 clés perdues dans ces énormes couloirs. On sait bien comment ça se passe, les backrooms, les amis. Ce sont un lot de pièces qui n'ont aucun sens. Les unes enchevêtrées sur les autres, et nous allons devoir les retrouver. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu... Oh, bon... Ok. Voilà, mon inquiétude est passée. Mon inquiétude est passée, maintenant je sais. Il y a de la vie dans les backrooms. Il y a de la vie. Je l'ai vu, et il marchait de l'autre côté. Donc du coup, nous, on va chercher de ce côté-là. Clairement, il y a des chances qu'on trouve les clés. Je me demande quelle taille font ces clés, si elles sont toutes petites, réalistes, ou alors si elles sont gigantesques et je peux les trouver facilement. Parce que 4, vous allez me dire, c'est pas difficile. Flûte. Ah ! Oh mon dieu, je suis sorti du jeu. Oh non, j'ai nos clips à l'extérieur du jeu, s'il te plaît. Genre, tout est possible, hein. Hello? Attendez, il y a quelque chose là-bas. C'est quoi? Une table? Un camion? Non, je sais pas exactement ce que c'est. Une lampe torche peut-être? Help. J'ai une clé. J'ai une clé, mais j'ai un problème. J'ai vu le truc arriver par là-bas. Oh non, il est là. Oh, la sortie. La sortie est juste ici. Need key. Rah, bien entendu, j'ai besoin de 4 clés pour ouvrir une porte, c'est logique. Hein. Le problème, en fait, c'est que c'est un labyrinthe, ce truc-là. Un labyrinthe qui n'a pas de sens. On se calme. On se calme. Je suis pas d'accord, hein. Moi, je vous dis tout de suite, hein. Je suis contre ces péripéties. Flûte et zut. Je déteste les backrooms. Voilà, c'est dit. Vous l'avez entendu ici en premier. Le youtubeur horreur Seroth a déclaré lors d'une vidéo sur ladite backroom que, je cite, je déteste les backrooms. La communauté backroom est en émoi. Elle ne s'attendait pas à ces déclarations rocambolesques. Nous attendons encore un témoignage du youtubeur Seroth qui potentiellement pourra déclarer à visage caché un jour. Ouais, bah en fait, j'aime pas tomber dans les backrooms. C'est pas ouf, hein. On n'aime pas trop ça, nous, ok? Pourquoi il y a un jouet en plein milieu d'une pièce? Vous êtes sérieux, là?
petite licorne? What? Hey, toi? What? What? Trouve-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Over here? Comme here. Oui, mais j'arrive, hein. Je me suis trompé. Ça veut pas rire, hein. Mais j'essaye de te find you, hein. Ah, je te vois. À chaque fois que je récupère, ça fait un petit rire. Hey, you. Cassez-vous, les enfants. Over here. Ici. Trouvez. Ok, c'est un jeu du cache-cache. Oui, je t'entends. Combien j'en trouvais? Oh, la clé! Mais non! Mais c'est trop bien fait, en fait, ce jeu. Oh, j'ai trouvé la deuxième clé. Je m'attendais pas à ça. Oh, une lampe torche. Use the flashlight. Ok. Ah, courant la couper. Ah bah c'est un petit peu comme chez moi actuellement, vous savez, avec les grèves et tout. Ils aiment bien couper le courant. Et du coup, on est un peu dans le caca. On se retrouve dans des situations où bah, c'est compliqué, hein. Donc t'essayes en fait de faire des lives ou de faire des vidéos et... Et ben, il y a plus d'électricité parce que EDF a dit... Je sais pas ce que ça signifie. Du coup, je vais juste continuer d'avancer. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction parce que tout ce passage où j'ai avancé avec la licorne, littéralement, en fait, ça m'a mis vraiment dans tous les sens. En fait, genre, je sais pas dans quel sens je suis. Ça m'a retourné la tête. Ce couloir est vachement long. J'espère que la porte s'ouvre. Si je meurs, est-ce que je recommence à zéro? Parce que c'est plutôt long hein, pour l'instant. Hein. On n'aimerait pas que ça recommence à zéro. Moi, j'aimerais pas. Et toi, est-ce que tu aimerais? Non, je suis sûr que non aussi. Ouais, ouais. Oh, j'ai envie de me retourner, mais je ne le ferai... C'est bon. Y a rien derrière moi. Allez, dis-moi que tu peux t'ouvrir, petite porte. C'est une clé aussi? Je suis dans une pièce fermée. Tout clignote. Ça m'a TP ici en fait. Oh là 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 là. Oh non non, j'aime pas. Oh! Ah! Oh bah non, si la lumière s'éteint, je fais comment moi? Ah! Attends, si, c'est bon? J'ai plus de lumière par contre, hein, les gars. Écoutez, pour l'instant, je trouve que ce backroom est assez bien fait. Il est très différent des autres que j'ai pu faire. Au moins, sans celui-là, je peux parler, tu vois, parce que dans Backroom 98, parler est interdit. On va pas passer par... quoi que... Allô? Oh, flûte. Non, mais t'es sérieux, Seros? La première porte que... Première porte que tu trouves, tu ouvres et tu te fais avoir. Donc là, c'est un système de porte en fait. Il faut ouvrir la bonne porte à chaque fois. Si tu ouvres la mauvaise porte, tu te fais TP du début. Donc du coup, pas la porte de droite. Même si quelqu'un frappe. Hello ? J'ai entendu un bruit comme un Enderman dans Minecraft. J'hésite un peu pour la porte. J'ai un peu peur. Tu vas me dire, c'est le but d'un jeu d'horreur, Cyrus?
Ouais, c'est le but d'un jeu d'horreur, mais... Ok, c'est bon? On y est? Oh! Non, on n'y est pas, non. Je veux avancer, je veux partir, moi, ici. J'aime pas trop beaucoup ça. Il y a une porte juste là, mais... Quelque chose me dit que c'est pas cette porte-là que je dois prendre. Il y a trois portes ici, mais quelque chose me dit que c'est pas cette porte-là que je dois prendre. J'ai entendu quelqu'un crier. Je crois que c'est cette porte-là. Restart. Qui? Attends, là. La clé est là! C'est bon! J'arrive pas à sortir du jeu en fait, c'est chiant. C'est bon, j'ai trouvé trois clés, les amis. J'ai trouvé trois clés. Donc il reste plus d'en trouver qu'une dernière. Et j'aurai probablement terminé ce cauchemar. Je sais pas c'est quoi l'histoire du bruit blanc que j'entends. Hein. Je préfère m'éloigner. Merci Lady pour ton sub. Désolé, je suis tendu quand je joue à Backrooms. Je suis un peu tendu du slip. Du coup je m'attends pas à grand chose. Et du coup quand il se passe des choses j'ai un peu peur. Oh bordel, mais je dois aller où? Oh là 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 là, genre c'est un labyrinthe sans fin, c'est le principe, je sais, mais quand même. Je me rappelle quand j'ai fait mes premières backrooms, quand j'ai fait le premier jeu, j'étais en mode, les gars, je comprends pas, là. Je comprends pas du tout. Et après, on a vu le court-métrage, et là, j'ai compris. Le court-métrage, il m'a mis d'accord, c'est-à-dire, ah ok, d'accord, je vois le délire, je comprends un peu, c'est quoi le but maintenant. Parce que c'est ça le fait, le pire dans le backroom, c'est de pas savoir qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Si tu comprends pas ce que tu fais là, en fait, t'es perdu. J'ai quand même beaucoup de chance, je pense, d'avoir trouvé les deux premières clés directes. Trois premières clés même. Il m'en manque une. Là, ça va être compliqué parce que c'est toujours quand il en reste qu'une seule que les choses se compliquent. Plus tu as de... Pas mal ça. Non, y'a rien ici. Ah, quoique, remarque. Ça peut être quelque chose de sympa. Oh! Non! Pourquoi j'arrête pas de sortir du jeu? C'est quoi le délire? Oh non! J'ai failli mourir encore là avec ces conneries. Oh non, j'ai plus d'endurance. Tu vois, il est plus là. Ah, il y a des trucs là. Ça a l'air sympa ici. Non, ça c'est un endroit où je suis déjà venu. Et il n'y avait rien ici. Parce qu'en fait, le pire, c'est même pas ça. C'est que même si je trouve la dernière clé, jamais je vais trouver le... la dernière porte. En fait, la porte.
La porte, j'allais trouver une fois, tu vois. Tout se ressemble pour moi, c'est dingue. C'est quoi ça ici? Exit? Please! Clé! J'ai la quatrième clé! Oh my god! J'ai la clé! Où est la sortie? J'ai la clé, les gens, il faut que je trouve la sortie! Je me rappelle plus où elle est, je me rappelle plus à quoi elle ressemble! Personnage est fatigué. Putain, c'est Naruto qui m'a poursuivi, les gars. Le premier help, c'était ici. La porte était pas loin, je me rappelle plus où elle est. La porte est là. Oh mon dieu, j'ai trop de chance. Oh, j'ai fini. Oh my god, j'ai fini. Oh my... OMG. OMG, j'ai fini. J'aurais pu tourner en rond tellement longtemps avant de trouver cette sortie. Et je l'ai quand même... First try. Juste pour ça, s'il vous plaît. Pour cette espérance horrible pour moi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, retrouvez-moi en live tous les jours sur Twitch. Et on se calme. Hein. Twitch.tv/Theros, le lien est dans la description. Je vous retrouve... très bientôt. Bye!